Hey, salut à tous les amis, c'est Ispartic, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui en mode, on a chaud, toi-même tu le sais, le débardeur, damn, la street du pec, j'adore les facecom les gars, je suis complètement fou, je suis complètement crazy, I'm not even crazy, bon je sais pas si vous avez reconnu, moi-même je n'ai pas reconnu trop ce que je chantais, le chien tu commences pas à m'embêter, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin petite quand même, elle fait sa taille tout de même, 10 minutes, c'est pas trop mal les gars, c'est pas la taille qui compte de toute façon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour la Rage où je vais tout simplement rassembler quelques petits commentaires qu'on a pu voir ces derniers temps sur les vidéos de la Rage. Des commentaires qui reviennent assez souvent, des commentaires qui m'ont interloqué. J'avoue, j'ai pas passé plus d'une demi-heure à chercher vos commentaires parce qu'il y a quand même des perles. Il y a quand même des petites perles, mais bon, on a quand même quelques petits commentaires et je vais y répondre tout simplement dans cette vidéo. Alors, tout simplement, vous avez un petit gameplay devant les yeux qui se joue à la M-Tar. Je crois bien, je crois qu'il va ramasser également plusieurs armes. Je crois également que ça se passe sur Slums, si je me rappelle bien. Je suis pas un professionnel de BO2, sachant que ça fait plus de 6 mois que j'ai pas joué les maps, vous voyez ça reste, mais c'est un petit peu moyen. J'espère que vous kifferez cette vidéo les gars, ça change de d'habitude, c'est de la performance, mais tout en ayant le sourire. Damn, ma coupe de cheveux, c'est un peu la turfurisation de la coupe de cheveux là aujourd'hui. C'est complètement n'importe quoi. Alors les gars, premier commentaire, donc j'ai fait un petit tour sur vos... Sur les vidéos tout simplement de la Rage. Et premier commentaire que j'ai remarqué, tout simplement un truc qu'on retrouve très souvent. Alors excusez-moi si je regarde pas l'appareil photo, hein, je lis en même temps les commentaires, toi même tu le sais. C'est un mec qui fait attention les gars, passez sur ma chaîne et abonnez-vous. Ce genre de gars, c'est complètement what the fuck. Mais le pire les gars, le pire du pire, c'est qu'il est pas tout seul juste en bas. Il y a un autre gars qui lui fait de la concurrence. Vous voyez, ils sont de la pub, des annonces pub comme ça en concurrence. Les gars, ils sont fous. Il y a Visigo, c'est la Keblari Corson Bio 57, sachez le dire, qui fait abonnez-vous à la chaîne de la Avo Family SVP et arrêtez YouTube car n'est pas... Pourquoi? Pourquoi? Tu fais de la pub mais même pas sur ta propre chaîne. Le mec fait de la pub pour une chaîne de team. Pourquoi? Pourquoi mec? Pourquoi? Tout simplement, pendant que je suis en train de raconter de la merde. Mais tout simplement, non mais ce genre de personne, franchement ça me fait marrer, hein. Il y en a, ils font de la pub avec un autre compte pour leur chaîne pour pas se faire cramer. C'est oufissime les gars. Pendant que je... Ça va être chaud, mais bon, on va essayer de commenter le gameplay en même temps, les gars. Pendant que je lis vos gracieux petits commentaires, tout simplement, il y a notre ami à l'écran qui fait un gros carnage. Vous remarquerez qu'il se concentre principalement sur le spawn adverse, qui me paraît assez logique. Ce n'est pas du spawn trap, ce n'est pas du spawn kill. Et puis, quand bien même, j'ai envie de vous dire, ça serait logique parce que pour faire de la performance, hein, il faut pas se toucher la nouille dans son spawn pendant 34 ans. Il faut aller faire du contact, là, faire du contact, les gars. Complètement fou. Ok, troisième commentaire, c'est ça là. Skyrose. C'est ça là, ce truc. Les gars, on a compris, vous êtes fans de Skyrose. Dès qu'il y a Skyrose, je me tape 138 lignes de commentaires Skyrose. C'est incroyable, je vous promets, sur toutes les vidéos, c'est comme ça. Le gars a fait Skyrose. Même si je voulais ça rentre même pas en entier la photo, j'ai pas pu. Le gars, il a vu qu'il y avait Skyrose, il a réagi comme ça. Il y a un membre de la rage sur Wii U. Oh my fucking god. Bien oui, les rages sont partout. Les rages jouent sur tout. Les rages sont bons partout. Tout le temps. À toutes les plateformes. Je tiens à le dire. Azexia, ton numéro de téléphone et ton adresse, s'il te plaît. Continue, t'es bonne. Apparemment, je comprends pas. Elle a pas voulu te le donner. Je comprends pas. Vraiment. En plus, elle est très gentille. Tu me MP, je te donne ça. Je te donne ça, d'accord? Je te donne ça après, ok? Voilà. Non, j'aime pas le commentary. Ah. Gros commentary, mais le gameplay pue la merde. Full hard scope, secondaire, act. Please, les joueurs perf, arrêtez le snipe. Vous n'avez aucun skill avec. Mais ferme ta gueule. Très très clairement. Tu fermes ta gueule. Tu regardes la vidéo qu'on te propose gratuitement. Avec tout notre amour. Et tu fermes ta gueule. Campagne Maxime qui a répondu à une vidéo où j'avais demandé vos moyennes, une connerie comme ça. Le gars m'a répondu,
J'ai 5 de moyenne et je suis en première générale. Mais dans ma classe, il y en a un qui est pire. Il a 2. Mais dans quelle classe es-tu? Dans quelle classe es-tu, mec? Comment c'est possible? Dans quelle classe es-tu? Quelle est ta classe? Comment? 5 de moyenne, mec. En première. Ça choque personne? Non? Non? Il y en a un qui a 2. C'est... Ok, aucun problème les gars. Normal, la sécparisation de la France. Oui, ça ne se dit pas, mais j'en ai rien à faire. Il est fou ce commentateur. Merci, j'adore ça. Qu'on me dise des trucs comme ça, tu vois. C'est des petits mots d'amour, ça me fait un peu... C'est, fin, tu vois, quand je vois ce genre de mots, j'ai juste une envie, c'est de faire ça, regarde. C'est de faire ça, regarde, attention. J'ai un problème. Quand je pète, des morceaux sortent. Qu'est-ce que je... dois faire? Eh bien, tout simplement, je pense, mon ami, il faut que tu ailles voir un médecin. Hein, il faut que tu ailles voir un médecin et très très vite. Parce que là, tu as quand même un problème. Et puis peut-être un psychologue aussi, hein. Parce que, voilà. Autre commentaire, les amis, j'ai un problème, docteur, j'ai mal à la bite, comment faire pour le sexe? Eh bien, tout simplement, j'ai envie de te dire, ton sexe va tomber. J'en suis désolé. C'est un cas très fréquent chez les gens de petite taille. Je crois. Quand je pète, ça pue sa race. Je veux un truc, quand je pète, ça sent bon. Tu peux m'aider? Mets un petit sapin, tu l'accroches au nombril, tu le laisses pendre. Et en fait, quand tu pètes, il y a un dégagement d'air qui fait que le P se met tout autour de toi. Et comme tu parles aux gens qui sont devant toi... Et bah malheureusement, si tu pétais derrière, tu vois, on s'en bat les couilles, mais ça vient aussi devant toi. Si tu mets le sapin devant toi, tu vas péter et ça va tout absorber. Et la personne en face de toi ne sentira strictement rien. C'est une solution. C'est une solution. Tu consommes quoi comme stupéfiant? Eh bien, merci, je consomme quoi? Je consomme rien du tout. Juste de la bonne humeur, mon ami. Ouais, j'ai pas de nouveau compte, je bug pendant les vacances, c'est pour ça que je suis pas connecté. Mais Tactical Zaim, tu parles à qui? Vous m'avez ajouté à vos cercles. Seriez-vous intéressé par moi? Le mec a tout compris à YouTube. Toi, je t'adore, la solution Jackie. Tu es vraiment admirable. Tant de naïveté, c'est beau. C'est beau. Comme si on avait quelque chose à foutre de nos abonnés. Et bien, tout simplement, pour rejoindre la team, tu me donnes ton PayPal. Et tout simplement, la team est présente sur toutes les plateformes nouvelle génération, que ça soit la Nintendo Lite, la Nintendo DS... sur la nouvelle Game Boy Color, sur absolument tout et même sur les Tetris. Hein, on s'y met, vraiment, c'est extraordinaire ce que je dis, putain. Alors, on commence un sacré texte. I'm Saikan. C'est super dommage, très dommage. En tout cas, que les colis de ravitaillement ne deviennent pas un privilège. Oh putain, lire la suite. Non, mec, je suis désolé, c'est trop long. Non, je suis désolé, je suis trop long. Ta femme te le dit souvent? C'est la fin de la vidéo, les gars. J'ai parlé beaucoup. C'est déjà la fin. J'espère que ce gameplay vous aura plu, que la vidéo vous aura plu, vous aura fait frémir d'envie d'aller jouer au Call of, que mon commentary vous aura poussé à aller sur ma chaîne Placement Produit, et que tout simplement vous aurez kiffé cette vidéo en espérant qu'il y en ait d'autres. C'était Ispartic. Je vous kiffe. Peace. Have smile.